Bérangère Lambert, la CFDT de Vienne est bien présente dans cette manifestation intersyndicale. Qu'est-ce qui a conduit la CFDT dans la rue ? Ah bah c'est simplement l'appel de notre syndicat, enfin de la Confédération. Donc nous, on est pour discuter avec le gouvernement, pour négocier, mais on est contre l'âge pivot et on voudrait qu'il y ait la pénibilité qui soit vraiment reconnue. Ça fait longtemps que la CFDT n'était pas descendue dans la rue. Oui, en effet, mais là, je pense qu'il était plus que temps et puis le président n'a pas tenu ses promesses, notamment sur le recul de l'âge de la retraite. Alors le fait que la CFDT, la CFTC, l'UNSA soient dans la rue aujourd'hui un peu partout en France, est-ce que ça peut aider à faire avancer la revendication, à accroître le rapport de force ? Bah oui, on est là pour ça, donc on espère que l'intersyndicale va fonctionner à plein. Après, le Premier ministre doit recevoir les organisations syndicales normalement séparément à partir de demain. La CFDT tiendra sa place de premier syndicat de France, donc on y croit, on est là pour ça. Nous, on est prêts à négocier, on ne veut pas bloquer la France à Noël, attention derrière toi. Donc voilà.